Bonjour à tous. Je salue en particulier les paroissiens de Saint-Pierre du Gros-Caillou et je leur transmets mes pensées amicales en ce moment de quarantaine. Alors, la pièce que je viens jouer est une pièce de Jean Langlais qui s'intitule « Disons le chapelet » qui est tirée de 8 chants bretons. Et ce thème breton que vous avez pu entendre dans cette pièce doit vous rappeler le cantique « La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain », qui est le cantique qu'on chante au Jeudi Saint. Alors, je suis à la console là, du grand orgue. Comme je l'avais dit, cet orgue est un orgue moderne, c'est-à-dire un orgue néoclassique. L'esprit néoclassique dans la facture d'orgue, comme dans la musique, a marqué le XXe siècle. Cet esprit voulait concilier l'esprit romantique et symphonique hérité du XIXe avec un retour aux sonorités du baroque et du classique, c'est-à-dire du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors c'est pour ça que j'ai choisi un compositeur français, des compositeurs français aujourd'hui. Donc cet orgue a 3 claviers. Donc le premier clavier s'appelle le grand orgue, le deuxième clavier est le clavier de positif, le troisième clavier est le clavier de récit. Il y a en fait un quatrième clavier puisqu'il y a le pédalier qui a 32 notes. Donc on pourrait dire finalement que c'est un orgue à 4 claviers et non pas 3 claviers. Chaque clavier a ses propres jeux, c'est-à-dire ses propres sonorités. Ici, nous avons les jeux du pédalier. Ici, nous avons les jeux du premier clavier. Ici, nous avons les jeux du deuxième et les jeux du troisième. On peut également accoupler les claviers ensemble, c'est-à-dire actionner avec un seul clavier également les autres claviers en même temps. Alors, la fondamentale de l'orgue, ce sont les jeux de 8 pieds. Je ne vais pas trop détailler, mais ce sont 8 pieds se rapportent, la notion de 8 pieds se rapporte à la longueur des tuyaux, la longueur du plus grand des tuyaux. Alors, il y a un certain nombre de jeux de 8 pieds dans cet orgue. Il y a, par exemple, un bourdon au premier clavier, un bourdon également au deuxième clavier. Il y a une flûte au premier clavier. Un jeu très chantant qui s'appelle la flûte harmonique. Et il y a également les jeux qu'on appelle les montres. Une montre au premier clavier. Il y en a également une au deuxième clavier. Le deuxième clavier correspond au buffet qui est derrière moi. Au troisième clavier, nous avons une flûte. Un cor de nuit, pardon, une gambe, qui a un son plus nasillard. La pièce que je vais vous jouer maintenant est une pièce qui est construite sur les fonds d'huit pieds de l'orgue. C'est une pièce de Jean Alain. Cette pièce fait appel à l'ensemble des jeux d'huit pieds de l'orgue, accouplés entre eux, et le changement de clavier va permettre de faire une nuance dans cette sonorité assez douce au fond que représente ce qu'on appelle donc les fonds d'huit pieds.
remarqué que... Vous aurez remarqué que ces fonds peuvent être extrêmement chantants. C'est la registration, une des registrations que je préfère. À la fin du morceau, il y a un jeu qui s'appelle La Voix Céleste, qui en fait est un jeu légèrement désaccordé qui permet de faire entendre une vibration. Si je le rajoute à la gambe ici. Voilà. Alors, évidemment, il y a bien d'autres jeux, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais au jeu de 8 pieds, ici, des jeux que je rajoute ici, qui vont donner un son beaucoup plus... Un jeu de 2 pieds, donc... Et il y a des jeux qu'on appelle les mixtures. Il y en a une fois. Et évidemment, il y a la même chose au deuxième clavier. Et il y en a également deux au troisième clavier. Alors, quand on fait sonner l'ensemble de ces jeux, évidemment, ça donne une sonorité beaucoup plus profonde, beaucoup plus lumineuse également. Donc la pièce que je vais vous jouer est également une pièce de Jean Alain. Les litanies de Jean Alain se jouent sur le plein jeu de l'orgue et se terminent dans un grand crescendo où on rajoute également les jeux d'anche. Alors je vais vous lire le texte qui est de Jean Alain lui-même, qui est apposé au titre de la pièce et qui dit « Quand l'âme chrétienne ne trouve plus de mots dans la détresse pour implorer la miséricorde de Dieu, elle répète sans cesse la même invocation avec une foi véhémente. » La raison atteint sa limite, seule la foi poursuit son ascension. Thank you.
Voilà pour cette pièce extrêmement véhémente et à la fois pleine de joie et pleine d'aspiration et d'inspiration. Vous aurez remarqué que les jeux qui sortent à chaque fois, le changement de jeu ne se fait pas manuellement, mais grâce à ce qu'on appelle un combinateur, c'est-à-dire il me suffit d'appuyer sur un bouton pour que des jeux que j'ai programmés à l'avance sortent. Et soit actionné au moment voulu de la pièce d'orgue. C'est une fonctionnalité. Vous n'avez pas cette capacité-là. Ce que je vous propose, c'est d'en parler peut-être lors d'une prochaine session. Et je vous dis à bientôt.